Alors tu vois, Ellie, je prends mes doigts, j'attrape mes oreilles et je vais me transformer en Waikiki, regarde. Coucou, 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 Ellie et papa, ça va? Coucou, mamounette, ça va et toi? Tu craques complètement? Complètement. En fait, je lui montrais que je savais me transformer en Waikiki. Alors, les petits copains, si vous savez pas qui est Waikiki, je vous le mets juste au-dessus de moi. C'était un singe qu'on aimait bien à mon époque. Voilà, c'était une mascotte. D'accord. C'est pourri. C'est pourri? C'est pourri, c'est nul. C'est pourri? C'est nul, nul, nul. C'est pourri. Elle disait rien, Ellie, elle devait se dire ouais. Bon, écoute, moi oui. Je te propose qu'on fasse une super ouverture sur le thème de la transformation. Ça te dit? Oui, ça me dit. Ça te dit, mon samedi. Petit bébé d'amour? Samedi oui, ou même oui, dimanche? Oui, maman, oui, j'aime trop. On va pas relever cette blague. Non, 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 non. Qui c'est qui lance le générique? C'est moi? Générique! Et nous revoici les petits copains de copines. Alors mamounette, qu'est-ce que tu as à nous faire découvrir aujourd'hui? Je sais pas pourquoi tu parles comme c'est ça pas, c'est pas ce qui se passe une maladie, problème. Dit, ça capte plus. Eh ben écoute, tu sais quoi, on a eu la chance d'être parmi les premiers à recevoir les BotBots. C'est une nouveauté. Toi aussi t'as un problème Non, frère. Je limite, ça me fait rire. Les BotBots, ce sont des petits personnages Transformers qui se cachent parmi les objets du quotidien. Tata. Regarde la chance. Ouais, mais on a eu le carrément oui. Tout le présentoir. Oui. Donc du coup, on a 24 petits sachets, petites boîtes à ouvrir. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Ouais, c'est des sachets surprise. Alors regardez comment ça se présente, les petits copains et copines. Ce sont des petites coques. On dirait des petites coques fromagères. Alors regardez, voilà. Donc Ellie, elle a déjà attaqué. Oui. Mais en fait, pour ouvrir, je vous explique, il faut arracher ici et ensuite, ouais, je l'ai échappé. Voilà, donc, d'ailleurs, a fait n'importe quoi. Il faut arracher ici et pousser ensuite la petite coque et donc le BotBot sort. Alors Ellie, ouais, elle n'a pas suivi les instructions, donc on va tous vous les montrer. Tiens mamounette, je te les rends. Ce que tu feras, tu nous les passeras un par un. Yes, allez. Ça marche. Alors je vous montre bien la marque là. Transformers BotBot série 1. Voilà. Donc alors, on se cache parmi les objets du quotidien comme des tailles crayons, des rouleaux de papier toilette ou des donuts, c'est rigolo. Des donuts? Alors les BotBots, ils vivent en tribu, comme la tribu des Miambots ou celle des Sportbots par exemple. Il y en a d'autres, il y a les Lavobots, les Écolebots. Oh, donc, ça doit être rigolo. Rigolo. Je me demande ce que c'est. Alors là, ma puce, tu vois, comme tu l'as mal ouvert en fait, on galère. Mais en fait, normalement, il y a juste à pousser. Alors là, ma puce, regarde ce que tu fais, tu tournes et tu pousses comme ça, vas-y. Allez, vas-y, il faut y aller fort. Parce qu'elle a. Oh, ouais, mais ouais, oui, c'est pas facile! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une tortue. C'est une tortue? Fais voir. Alors, il y a un petit dépliant avec. Hein. On va vous montrer tout ça. Tiens, mamounette, ça nous explique comment il fonctionne, ce BotBot. Et puis, il y a peut-être, oui. Il y a aussi toute la collection complète. Alors, regarde, mamounette. Ah c'est... Oh, c'est bizarre. Tiens, elle a regarde, réussi à le transformer. Alors, voilà. Donc. Non, doudou. Mon pécule de pliant, pour tes coquines. On a eu quoi? Elle m'a dit n'importe quoi. En fait, regarde, mamounette, c'est super simple. On a une petite pierre comme ça, on sait pas trop ce que c'est, donc c'est une pierre. Voilà, on dirait un rocher avec de la mousse par-dessus. Voilà, et en fait, il suffit de le retourner, et là, on a des pattes et une tête. Alors, hop, on déplie la première patte, la deuxième patte, la troisième patte, la quatrième patte, et la tête, il suffit de pousser dedans. Hop! Et voilà, et on a ben, une bête. Une tortue, non? Ça ressemble à une tortue. On sait pas trop. Ah une bête bizarre. C'est une bête trop bizarre. Mamounette, envoie-en un autre. Alors, on va tous vous les montrer. Ta-da. Alors, regarde, je t'explique, Ellie. Regarde, tu vois, il faut faire comme ça. Je montre en même temps aux petits copains et petites copines. Alors, il faut arracher la languette ici. Voilà. Et une fois qu'on a arraché la languette, il suffit de pousser. Yes, d'accord. Voilà, c'est facile. Alors vas-y ma puce, fais-moi voir ce que c'est. On dirait des ciseaux, mamounette. Mais oui, regarde mamounette. Bon alors là c'est des école bots à tous les coups. C'est sur le thème de l'école. Alors voilà, ça se présentait comme ceci. Donc ça représente bien une paire de ciseaux. Alors comment on va pouvoir transformer cette chose? Tu sais que c'est hyper dur derrière la caméra. Par contre, je l'ai démonté. Mamounette, il a explosé.
Le fail. Le fail. Allez, fais-en passer un autre, mais pendant ce temps, je regarde. Tiens, mon petit. Ah oui, chat. Parce que c'est articulé, Mamounette. Oui, ça se clique. Ah ouais. Ah, par contre. J'ai attrapé le dépliant, mon Dieu. Non. Ah non, Jack. C'est de l'attraper. Non, Jack, ça, tombe pas dans l'eau, glacé, Jack. Attends, sur moi. N'importe quoi. Donc, effectivement, ça se. Mais alors, je sais pas à quoi ça ressemble, ça. Franchement. C'est quoi, un insecte? Je sais pas. Ah bah, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, c'est articulé dans tous les sens. Hein. On peut le mettre dans tous les sens qu'on a envie. Regardez, voilà. Je sais pas trop ce que c'est, ça. Alors, qu'est-ce que tu as eu d'autre, toi? Ah, c'est un taille-crayon, ça. Et voilà, j'ai récupéré le taille-crayon. Alors, en lisant la notice, on a compris qu'il fallait soulever le taille-crayon, déplier de chaque côté. Et voilà, on obtient une sorte de petit robot. C'est plus un robot, là. C'est un robot, ouais. Mmh. Il est rigolo, hein. Alors, celui-là, c'était donc la torche. On a compris aussi. Regardez bien. Fais voir, je vais montrer. C'est toi qui montres. On tourne comme ça et après, on a un bonhomme. Ouais, c'est ça. Il faut tourner le haut de la torche et on a une tête. Vas-y, Mamounette. Alors, quand on l'ouvre, il est comme ceci. Voilà, donc ça ressemble bien à une lampe torche. Et pour le transformer, hop, on va tourner le haut. On a le petit visage qui apparaît. Et on peut écarter les bras. Les bras, voilà. Et là, on a bien le petit bonhomme. Il est rigolo celui-là, c'est mon préféré pour c'est le moment rigolo. Allez, un autre. C'est qu'on en a encore 20 à ouvrir. Ah, tu te rappelles comment on fait, ma puce? Ah, faut pas lui montrer plusieurs fois, Elia. Non. Voilà, et ensuite tu pousses. Allez, vas-y. Dans l'autre sens, mon doudou. Allez, vas-y. Ouais, c'est bon, on y arrive aussi. Oh là, il est bizarre, lui. Ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Fais voir. Alors avec, à chaque fois, il y a le petit dépliant fourni qui nous explique comment transformer cet objet du quotidien. Oui, alors il faut bien le dépliant parce que sans le dépliant, c'est assez difficile. Hein. Alors là, j'ai compris. C'est un sac d'école et il se transforme en petit robot comme les autres. Regarde, Mamounette. Voilà, donc là, on a le petit cartable comme on l'a ouvert. Et ensuite, avec 1, 2, 3 étapes, on obtient le robot. Un autre. Voici le cartable. Mamounette, tu nous en donnes un autre pendant ce temps? Oui, bien sûr. Allez, tiens, je te donne le cartable. Et comment je fais pour le transformer, moi? Bah, tu tires sur les côtés, regarde, fais voir. Attends, il veut piquer mon jouet. Je veux. Alors, on tire sur les côtés, on... Hein? Et... Mais ça, c'est un truc de garçon, les vies, ça c'est pas faire. Mamounette, elle fait. Oui, et toi, tu sais pas qui est? On a un gâteau. Oh, un gâteau. Il est trop beau. Alors, regardez. Tac, je tire sur les côtés, voilà. Et puis ensuite, je sais pas. Merci. Attends. C'est qu'à chaque fois, voilà, il faut tirer ici. Donc on tire sur les côtés, on tire ici et on a un robot. Ah oui, d'accord, il se redresse. Ah oui, là, ça ressemble carrément à un petit robot. Ok. Alors, Mamounette, Ellie a déjà commencé à défaire celui-ci. Alors, ce que je vais faire, je vais le remettre, voilà. Oui, alors, parce qu'on n'a pas eu le temps de le regarder. Alors, attends. Un. Voilà. Donc, on a un gâteau. Regardez. Et il faut lui déplier les bras. Un petit cupcake. Très sympa. Un autre. Je te laisse le déplier. Un autre, Mamounette. Et donc on lui déplie les bras, alors voilà, on déplie le cupcake en fait comme ça, regardez, je vais même carrément l'enlever, hop, je vais le reconnecter. Oui voilà, ça hop. Se casse pas, hein. C'est non, juste ça des se casse petits pas. Écrans. Et voilà, on a un petit robot, un robot volant je pense. Regardez, voilà, avec ses petites mains, trop rigolo. Je pense qu'il va avoir celui-là. Tu penses? Et donc je reviens sur les ciseaux, regarde mon maître, voilà à quoi devait ressembler le robot. Voilà. Bah bravo quand même. Voilà, j'y suis arrivé quand même. Tu as mis le temps. Oui, mais j'y suis arrivé. Alors ensuite, on en a encore un autre. Alors on en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 4, 24, on en a fait un quart. Allez, vas-y ma puce. 7. Alors c'est plus facile de pousser comme ça. Ellie, elle fait comme ça, c'est plus facile de pousser. Regarde, comme ça, regarde. Comme ça, là, tu pousses comme ça, et là, il va tomber. Ding. Et voilà, alors c'est quoi? Oh, il est tout rouge celui-là. Attends, montre-moi avant de le transformer, ah oui, mon Dieu. Transforme-le pas tout de suite. Attends, transforme-le pas tout de suite. Regarde ce que c'est, Mamounette. Déjà, je comprends pas ce que c'est. C'est un gantbox, non? Un gantbox, bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est un gantbox. Alors, Ellie va nous le transformer. Alors, moi, je regarde la notice en attendant. Ah oui, d'accord. Ah ouais, oh, il est trop rigolo. Oui, là, je vois son visage, là. Je l'aperçois. Il a reçu quelques coups, hein. Alors, fais voir ma puce. Et il essaye d'ouvrir tout. On voit pas mon petit cœur. Elle a réussi à l'ouvrir d'un trait. Ah oui, alors il était comme ça. Hop. Ah oh oui, regardez, il nous fait un petit sourire. Ah, oh, il a eu un œil au beurre noir. Il s'est battu, hein.
Il s'est battu. Allez, vas-y, ma puce, ouvre-en un autre. Trop bien. Trop rigolo, oui. Donc, alors, en fait, il faut chercher. On peut trouver tout seul sans la notice, mais il faut un petit peu chercher. C'est rigolo, hein. Sympa. J'aime bien celui-là. On est juste à 8. On en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout à fait. Vas-y, ouvre le 8e. Je crois que c'est mon préféré, celui-là. Il me fait rire, sa tête. Mamounette. 9e. C'est le 8e, ça. Moi, je sais plus où j'en suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est le 8e celui-là. Mamounette, les Bobots, moi ça me rappelle les Gobots. Quand j'étais petit, je regardais un dessin animé, c'était un peu pareil, c'était comme des Transformers. Oui. C'était des robots qui avaient la forme de voiture, de véhicule. Je vous en mets un petit extrait là-haut, regardez. Ça ressemble quand même un petit peu à ça, hein, ça se transforme. C'était en 1984, ça nous rajeunit pas ça, Mamounette. Hein. Mmh, j'étais pas très, très moi, vieux. Moi j'étais pas né non pas né. Comme le poisson. Comme le poisson. Elle est vieille cette blague, Mamounette. Ouais, comme toi. Je t'ai envoyé un bobo dans la tête, Mamounette. Et donc ça, lui, il fait partie de la famille des sportbots. Des sportbots, des sportifs, la boxe. Hein. La boxe. Alors qu'est-ce que t'as lu là? Un livre. Alors ça c'est Ecolebot. Schoolbot. Ecolebot. Ah bah, sur mon cœur. Donc c'est un livre. Ça représente un petit livre bleu et ça sera. Oh c'est mignon. Oula c'est un intello. Mamounette c'est un intello. Je regarde. Oui c'est ça. Et il faut tirer en plus les pieds. Tiens Mamounette. Tu vois mon petit chat? Tu peux lui tirer les pieds aussi. Alors quand on l'a reçu, il était comme ceci. Et il y a ouvert ici. Et alors les pieds, on peut les tirer. Tu arrives Mamounette? On va t'aider, Oui. Voir, on va t'aider. C'est pas facile à travers la caméra. Voilà, ça y est. Trop rigolo. C'est rigolo, hein. Alors c'est un intello, Mamounette, t'as vu, là, des lunettes. Allez, on va voir un autre. C'est rigolo, ça. Celui-là, je l'aime bien aussi. Et là, ça lui fait des grosses oreilles. Deux d'un coup, ça lui fait des grosses oreilles comme moi au début. Tu sais, comme moi, petit creuseur. Bon, d'accord, bref. Ok. Allez, okay. Ouvre les deux, allez, ouvre les deux. Vas-y. C'est rigolo cette petite collection là. Donc c'est une nouveauté hein, ça va juste sortir là. D'accord. Super cool. Donc les petits copains et copines, eh ben on vous les présente en exclu. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh j'adore. Oh j'adore. Petit dépliant, obligatoire. Oh là là c'est bizarre. Oh et là t'as eu quoi? Un brocoli? Brocoli rouge. C'est donc une plante carnivore et elle a des pattes qu'on peut déplier. Elle est belle, hein? Moi j'aime beaucoup, hein? Un brocoli, qu'est-ce que c'est que ça? Un champignon? Ah, on voit sa tête! Regarde Mamounette, celui-là! Regarde celui-là! Alors, quoi? Toi t'as un brocoli rouge? Attends, je crois que c'est un brocoli, hein? On va regarder. C'est pas un brocoli, c'est pas rouge les brocolis! Bah, je sais pas ce que c'est! C'est quoi, un salsifis? Oui, il est rigolo! Un champignon! C'est des champignons, Mamounette! Regarde bien, il est plein de champignons sur la tête! T'as vu? Regarde! Donc là, on a plein de champignons. Ok, on soulève, on commence à voir apparaître un visage, il a les yeux bleus. Et voilà le petit champignon tout développé. Regardez-moi ça. Bon, c'est pas mon préféré celui-là, hein. Non, mon préféré c'est lui, Mamounette, pour le moment. Parce que regarde, il est super articulé, on peut même se faire mordre le doigt, regarde. Plante carnivore. C'est trop bien, celui-là est vraiment bien. Avec ses pattes là, regarde. Alors, papa a tout déplié pendant ce temps, regardez. Alors, par contre, c'est une plante carnivore qui se transforme en plante carnivore. Ouais, mais elle a des pattes, t'as vu, c'est rare quand même, elle peut avancer. D'accord. Moi, j'aime bien les champignons, j'aime bien regarder sa tête, on dirait qu'elle est globuleuse. Oui, mais j'aime tout. L'intérieur, mais j'aime tout c'est toi. Pas mon préféré, il fait pas sympa. Ouais, bah c'est pas fait pour être sympa non plus. Hein. Moi, j'aime bien celui-là. Celui-là, toi? Ouais, c'est vrai que celui-là, il est pas mal. Hein. Bon, allez, on ouvre les autres. Peut-être qu'il y en aura encore des plus beaux. Tu ouvres celui-là? Allez, vas-y. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est presque à la moitié. Alors, je vous montre de près comment ça marche. Alors, Transformers Bot. Ici, vous avez la petite languette. Voilà. Et ensuite, vous... Voilà. Une nouvelle plante? Mamounette, on a une autre plante! Oh non, c'est trop fort! J'ai un sport boot! Qu'est-ce que c'est que ça? Une batte de baseball? Une batte de baseball! Alors, je vais te montrer comment on l'ouvre. À moins que tu penses trouver toute seule. Moi j'ai faim, ça me donne envie de manger les cacahuètes. Une cacahuète? Alors là, ça se soulève, regardez, on commence à voir son visage. Et ensuite, ça doit se déployer. Alors, le pied. Oh. T'y arrives, Mamounette? Voilà.
Regarde, il a une casquette. Et oui, il me manquait juste un bras à sortir complètement. Et regarde celui-là, Pomonette. Ah, celui-là, il est vraiment trop beau. Et je trouve qu'ils sont de plus en plus beaux, en fait. C'est une plante. C'est une plante un petit peu avec une tête de dragon. Alors, est-ce que vous allez réussir à voir correctement? Oui, on voit bien. Donc, les pieds se sont dépliés. Un appareil photo. Un appareil photo? Non. Un appareil photo. Oh, trop cool. Oh, il est beau. Il ressemble à celui avec lequel tu nous prends en ce moment même, Mamounette. C'est vrai? Ah ouais, on dirait celui que tu utilises pour nous filmer, regarde. Il ressemble trop. Coucou, 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 les petits copains de copines, comment ça va? Elle est en train de faire un vlog, là, Ellie. Ça va, les petits copains? Alors, regarde, Mamounette, cet appareil photo, il se déplie comme ceci. Tac! On a un premier bras comme ceci, un deuxième bras comme ceci, et on a les pieds ici. Tac! Et ça forme un petit robot. Montre-moi ça. Un hot dog. On a eu un hot dog? Non. On a eu... Oh, il est beau. Oh, il est génial. Très sympa, ce petit appareil photo. Ouais, il est sympa, hein. Et là, on a un hot dog. Alors, t'en fais voir. Je vais juste te montrer à nos petits copains et copines avant de se transformer. Non, tu veux voir? Bon, vous l'aurez, vous verrez transformé. Elle est chippie aujourd'hui. Elle est chippie. Alors, voilà le robot transformé. En fait, elle a trop envie de découvrir comment on le transforme. Alors, du coup, elle ne nous laisse pas montrer l'original. On vous montrera après. Hein. Donc, moi, je regarde le dépliant pour voir si elle fait bien. Mais j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que tu l'as trouvé toute seule, fais voir. Est-ce qu'il a des bras celui-là? Ah ouais, ouais, c'est ça. Non mais elle a même pas besoin du dépliant. Bah ça y est, t'as trouvé, c'est ça. Regarde, Mamounette, tu peux nous en donner un autre pendant ce temps? Bien sûr, tiens mon doudou. Ah, Mamounette, toi tu fais l'inverse en fait, tu vas le replier. Voilà, donc je replie tout. Hop, je cache tout. Alors voilà à quoi ressemble le hot dog quand on le découvre. Voilà, c'est rigolo. Alors ensuite, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Là, elle a soulevé pour dévoiler son visage. Et ici, elle a dû écarter quelque chose. Comment elle a fait? Comment elle a fait? Comment elle a fait? Comme ceci. Et voilà. C'est pas sympa, ça, regardez. Donc en fait, ces fameux bot-bots, ils peuvent se cacher dans plein d'objets du quotidien. Elle est en train de cacher le suivant. Elle me fait, regarde, regarde ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ben, je vous le dis pas. Voilà, je vous le dis pas. Vous allez le découvrir toute seule. Allez. Alors là, elle est en train de déplier un robot. Je vais regarder si elle le fait comme il faut. Ouais, ça a l'air d'être ça. Elle le fait en cachette, vous voyez rien. Voilà, vous avez bien fait de regarder cette vidéo, vous voyez rien. Alors voyons voir. Hein, fais voir. Ouais, c'est ça. Fais voir, je regarde. Ah, t'as oublié les bras. Alors je tire les bras. Tac, les bras sont comme ça. Et les petits pieds dessous. Vas-y, tire les pieds. Donc en fait, c'est un milkshake. Ah, d'accord. C'est un milkshake avec la paille sur la tête. Et il a des bras qu'on peut étirer et des pieds. Alors les pieds, t'y arrives pas. Attends, je vais te les étirer. C'est vrai que c'est tellement petit. Hop, allez, viens la petite pied, viens la petite pied. Ça y est, je les ai eus. Regarde, Mamounette. On a les bras, les pieds et la tête. D'accord, trop rigolo. Ok, donc vous refermez tout ça et vous avez bien... la petite bouteille de milkshake. Alors pour refermer, c'est pas dur. Hein. On rappuie sur tout. On rappuie ici, on rappuie ici et on rappuie ici. Et voilà, on a une petite bouteille de milkshake. Trop cool. Sympa, hein. C'est vraiment bien fait. Hein. Moi j'aime bien. Oh là là, je serais un enfant, je pense que je kifferais. J'aimerais avoir toute la collecte, ça tombe bien. Bon là. Oh, j'adore. Ensuite, qu'est-ce que tu as vu? C'est quoi ça? Fais voir. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je sais même pas ce que c'est, on dirait des frites. C'est quoi ça? Ouais, c'est des frites du McDo, Mamounette. Ah, des frites? Ouais, ça, c'est des frites. Ah oui, d'accord, ok. Et hop, hop, ça se transforme en petit robot. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, Ellie nous le transforme en robot. C'est sympa quand même, hein. Ils tiennent bien debout. Souvent, les figurines comme ça, Transformers, une fois qu'elles sont transformées en robot, elles sont pas très stables. C'est-à-dire qu'on les pose et bing, elles se cassent la figure. Bing. Là, elles sont stables. Waouh, joli! Eh bien, c'est pas mal du tout. Ben, elle y est arrivée. Regarde, Mamounette, elle y est arrivée. Et voilà. Regardez le petit robot. Alors, je vais essayer de vous le reconstruire. Comme il était à l'origine. Alors, est-ce qu'elle a pas fait ça? Hop. Tac. On rappuie. C'est ça? C'est ça ou pas? C'est ça ou pas? C'est ça? C'est ou pas? Oui, c'est ça. Oui, Mamounette. Bien sûr, c'est ça. Mamounette. Et on a donc un sachet de frites du McDo. C'est sympa, hein. C'est très sympa. Ou Burger King. Burger King. KFC. Ou Quick, mais ça n'existe plus bientôt, Quick. Ou dis d'autres marques,
Hop, je sais pas, j'en ai pas qui me viennent. Alors fais voir un petit peu la notice du suivant. Alors le suivant, qu'est-ce que c'est que ça? Maminette, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un poste radio, qu'est-ce que c'est? Alors, oui, c'est une sorte de radio. Une radio, hein? Un truc de phone, là, comment on appelle ça? Un truc de phone? Quand tu sonnes à la porte, un interphone. Un interphone, oh, j'adore, et celui-là j'aime bien, hein. Ouais. Franchement j'aime beaucoup, hein. Alors ensuite, qu'est-ce que tu as? Un autre, Maminette. Un autre, mais alors tu nous montres comment tu le transformes dessus la table. Dessus la table? Regarde ma Maminette, le voilà. Regarde, il est trop rigolo celui-là. Regardez-moi ça. Tadam! En plus, on dirait qu'il a une arme, celui-ci. Ouais, on dirait qu'il a une arme. Il rigole pas, celui-là, il va mettre le bazar. Donc lui, je le retransforme. Alors, hop, on rentre le bras. Hop, on tourne. Je sais même pas trop comment elle a fait, Ellie. Tac, 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 et voilà. On a, bah, qu'est-ce que c'est, ma Maminette? Une sorte d'interphone, radio cassette, on a sur de la technologie là. On est sur de la technologie. On sait pas ce que c'est, mais c'est de la technologie. Moi je dirais que... Ah, si, je sais ce que c'est. Ah, pourquoi tu vas regarder? Ah, non, je sais pas du tout ce que c'est en fait. Je sais pas ce que c'est. Alors les bot-bot, c'est pour les enfants à partir de 5 ans, ils disent. Alors normalement tu devrais y arriver quand même, t'as 40 et quelques années. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Mais je sais pas ce que c'est, ma Maminette. C'est un téléphone, je sais pas. Un four micro-ondes? Qu'est-ce que c'est? Mais non, c'est un interphone. Est-ce que tu penses que c'est écrit? C'est un interphone, ça? Mais non, là, c'est le dépliant de l'autre. Mais non, si. Oui. Ah oui, ah oui, bah alors, on sait pas ce que c'est. Le petit coin, une copine. Je vais vous l'apporter. Si vous savez ce que c'est, ça. Je vais le remettre deux fois à l'envers. Je sais pas, donc, je sais même pas quel est l'endroit. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je sais pas, je sais plus. Alors. Ellie, elle cache le prochain. Je sais même pas ce que c'est. Moi, ça je m'en fiche, je vous en ouvre un en direct. Comme ça, on va découvrir ce que c'est ensemble. Tadam! Oh! J'ai faim! Regardez du chocolat! Trop fort! Non, regardez, une tablette de chocolat croqué! Non, je peux le transformer. Et oui, Ellie va vous le transformer. Trop rigolo. Alors, je sors la notice si jamais elle y arrive pas. Tiens, mon petit chat! Alors le suivant, je pense avoir compris. Alors, attention, attendez. Le bac plus 12, bac moins 12, pardon. Si c'est ça, ça y est, j'ai compris. Qu'est-ce que c'est? Alors, comment voilà, ça marche? Voilà le robot. Okay. Le robot, mais alors à l'origine, je ne sais pas ce que c'est non plus. Parce qu'en fait, on le replie comme ceci, donc les bras, on les tourne et on les rentre. Tac. Et après, on replie les pieds. Et ça, c'est quoi, Maminette? Qu'est-ce que ça peut être? C'est dur, hein? Un petit copain et copine, pareil, si vous avez une idée de ce que c'est, autant il y en a, c'est sans équivoque. Franchement, la plante, ok, ouais, c'est une plante carnivore. Aussi, là, ça, il n'y a pas de souci. Les sport boats. Ah bah oui. Les nourritures boats. Non, je sais pas, ça va pas être nourriture. Les nourritures boats. Mais alors, ça, on dirait une batterie en fait. Tu sais? Une batterie. Ça ressemble à une batterie. Ah ouais, peut-être. Une batterie. Une batterie. En mode batterie, quoi. Ouais, une batterie. Ouais. Comme une batterie. Une batterie de voiture. Comme une batterie. Pas une batterie. Voiture. Une batterie de chocolat. Alors là, ma puce, t'as pas enlevé les pieds. Attends, batterie de chocolat. Alors, les petits copains, les petites copines, ils l'ont vu, la tablette de chocolat. Ah, ils l'ont vu? Regardez. Plié, et Ellie a réussi à le déplier. Un autre, ma Maminette, un autre. Il est trop rigolo, celui-là. Ah, un autre. Tadam. Un autre. Ça, c'est beau, hein. Ça, c'est beau parce que franchement, il ressemble vraiment à une tablette à la fin. Je vais même enlever son chapeau. Il a des problèmes aujourd'hui. J'ai tout démonté. Non, c'est vrai qu'il est bien fait celui-là. Parce qu'on lui rentre ses bras comme ceci. Tac, vraiment comme un transformeur, regarde. Tac, tout disparaît. Ensuite, on lui rentre les pieds comme ceci. Et puis voilà. On cache son visage. Voilà, on lui cache on son visage. On descend le petit truc. On là. Descend ça. Voilà. Tac, et voilà. On a un petit carré de chocolat. Trop rigolo. C'est vachement bien fait ça. Ah, ça, je suis épaté pour celui-là. Waouh. Bon, je le remets en robot, hein, je le mets en robot. De toute façon, on vous fera vite une petite récap à la fin. On s'en ouvrirait pas une autre, quand même. Bien sûr, on s'en ouvrirait une autre. Caméra. Ah monsieur. Kelly, elle triche, alors nous aussi. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est, Maminette? Un savon. Un savon? Alors, regardez, ils ont reproduit la mousse. Donc, pour moi, c'est un savon. Et alors, si on le déplie comme ça... On lui écarte ses petits bras. Hop. Et voilà le robot.
Oh, il est mignon. Il est hyper facile à faire, celui-ci. C'est vrai? Je l'ai fait sans les yeux. Sans les yeux? C'est dur sans les il yeux. Il est chaud. Essaye sans les mains pour voir si c'est si facile que ça. Trop beau la couleur. Alors par contre, sans ongles, c'est pas facile. Hein. C'est vrai? Ah oui, il faut des ongles, ouais. Moi, j'ai un peu de mal. Hein. Ah oui, il est mignon celui-là, regarde. Il est trop marrant. Oh, il y a un cosmonaute. J'aime bien. C'est Hygiène Boat. Hygiène Boat. Hygiène Boat. on dirait une fusée. Et moi, j'ai une bouteille. Et toi, t'as quoi? Non. Une bouteille? Qu'est-ce que c'est que ça? Une bouteille. Alors effectivement, regarde ma monnette, voici le bobot qu'elle a eu. Ah, pareil, donc c'était une sorte de milkshake bleu. Hop hop hop, tout se transforme et on a un petit perso. Voilà, alors elle l'a pas tout à fait démonté. Hop, alors on en prend un autre. Comment il était à l'origine? Comme ceci. Et voilà, j'ai réussi à ouvrir son deuxième bras. Regardez. À l'origine, c'était quand même un milkshake, hein, c'est balèze. Et regarde ce qu'on a eu, ma mounette. Trop beau. On en a eu un. Ah non, ma mounette. Est-ce qu'il en reste? Il en reste deux, les petits copains. Il en reste plus que deux. On voit. Je donne l'avant-dernier. Non, t'en auras un. Allez, on veut les deux. Le dernier après. Alors regardez, j'ai pas montré. Qu'est-ce que c'est que ça? Papa, elle me l'a donné dans quel sens? Non. T'arrives pas à voir ce que c'est? C'est quoi? Une sorte de dinosaure? Bah oui, c'est ça, c'est un dinosaure, regarde. On voit la tête, on voit les pattes là. Donc les pattes sont articulées devant là. Oui, d'accord. Là, il a une tête, il peut ouvrir la bouche. Je sais pas s'il ouvre la bouche. Non, il ouvre pas la bouche. Mais regarde, c'est un petit robot. D'accord, regardez. Et alors à l'origine, qu'est-ce que c'est? Bah je sais pas, je peux le t'en voir. Alors si on essaie de tout replier. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est une plante! Un pot de fleurs! Regardez, un pot de fleurs avec une plante. Une fougère. Trop rigolo! C'est bien fait, dis donc. Je les aime bien, les natures, là. Ah, les natures, elles sont trop bien. On s'attend pas à avoir un robot quand on regarde ça. On se dit, bah, bonne plante, quoi. Bah, ils se cachent bien, les bobottes. Les bobottes. Les bobottes, c'est ça. Les bottes. Regarde ma monnette, celui-ci. Il est pas trop mignon? Mignon. C'est le dernier! Il fait peur! C'est le dernier, mon doudou! Regarde, je te le fais passer. Regardez, je vous le fais. Vous voyez plus. J'ai rien compris. Alors, regardez. Enfin, un peu la tête quand même, moi, je trouve. Alors, regardez, on replie. On va faire la version originale. On replie tout. Qu'est-ce que c'est? Fais voir, ma monnette, j'ai même pas vu. Tac, 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 c'est un déodorant! Stick. Je suis sûre que c'est un déodorant stick. Trop rigolo! Alors là, on se doute pas du tout non plus qu'il y ait un petit robot à l'intérieur, hein, franchement. Moi, ça m'épate ceux qui pensent à ce genre de choses. Les concepteurs de jeu, là, comme ça. Se dire comment il faut faire pour que ça rentre comme ça, ça comme ça. C'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. Et à la fin, on aura un stick déodorant. C'est rigolo. Truc de fou. À mon avis, ils partent du stick déodorant. Tu penses qu'ils partent du stick? Les petits copains, les petites copines, à votre avis, est-ce qu'ils partent du robot et ils referment tout et ils font l'objet? Ou est-ce qu'ils partent d'un objet? Moi, je trouve ça plus logique quand même. Ouais. Partir d'un objet et faire des petites parties qui s'ouvrent. Certainement. Ça ressemble à un robot. Bah oui, certainement. C'est génial, hein, franchement. Alors, on est sur le dernier bot. Alors, oh, il est marrant. Oh, il est très très beau. Alors, Mamounette, t'as choisi le dernier de façon judicieuse. Parce que je trouve qu'il est super beau, regarde. Une tasse de café avec des chamallows. Exactement. Exactement. Oh, trop rigolo. Regarde, Mamounette. Alors, je vais voir. Bah, Ellie, elle a su le déplier comme il fallait. Regardez. Alors, regardez. On est sur un petit robot. Alors, lui, il a le smile, j'aime bien. Il est rigolo. Yes. Et alors, waouh. Quand on referme tout, waouh. Regardez. Alors peut-être que ça tourne. Non, on a quand même son visage. À la vôtre, les petits copains, les petites copines. C'est trop bon, les chamallows dans le chocolat chaud. Trop bien. Trop bien, hein. Et il en existe encore plein d'autres. Parce que là, je vois sur le dépliant, par exemple, regardez. Pardon, si je vous le mets dans le bon sens, c'est mieux. Petit indice, regardez celui-ci, cette petite licorne. Elle n'a pas l'air trop belle et il y a même un petit pingouin en dessous. Oh, il y en a plein. C'est trop bien, les bottes. Mamounette, il va falloir voter pour celui qu'on préfère. Mamounette, c'est lequel ton préfère? Le chocolat chaud. Le dernier, ah oui. Celui-ci, là? Ah oui. La tasse de chocolat chaud avec les chamallows. Ouais. Elle est dans les cafés, maman. C'est vrai qu'il est assez sympa et assez rapide à mettre en robot. Et moi, c'est lequel? Tu le sais. Effectivement, c'est la plante. J'adore trop cette plante. La plante carnivore. Elle est toute articulée, regarde ça. Et toi, Ellie?
C'est la plus articulée qu'on ait. Il a même la tête qui tourne. C'est... Même celui-là, il est chouette. Hein. On n'a pas bien montré, mais regardez. Il se replie et il se transforme en arbre. C'est un arbre, quoi. Voilà, on a un arbre. Un bonsaï. Un arbre. C'est trop bien. Un bonsaï. Un bonsaï. Allez, un bonsaï. Un petit arbre. Même pas quand je contredis, ça me fait rire. Un arbre. Qu'est-ce qu'on dit, celle-ci? Il faut plier là, j'avais oublié. Ah oui, on replie ça aussi. Non, mais c'est trop bien. C'est trop bien, franchement. Regardez, hop, et voilà. Et on a. C'est trop bien fait. Allez, dis-moi, mon amour. Quoi, vas-y, ma puce. Attends, oh, le petit boxeur, le gant de boxe. Elle a flashé dessus. J'aime bien aussi celui-ci, parce qu'il a vraiment une tête de robot. C'est vrai. Franchement, avec les bras, là, comme ça, là, tac, on dirait vraiment un petit robot. Lui, c'est vrai Transformers, là. Hein. Ouais, il est bien, lui. Hein. Et puis, moi, celui qui me fait le plus rire, c'est quand même lui. Parce qu'avec sa tête de champignon. Moi, celui qui fait le plus rire, c'est franchement. Bien. Lui, il devrait se faire copain avec les hygiènes bottes, hein, parce que avoir des champignons dans la tête, c'est pas top. Hein. Ça craint. On dirait un peu des pic-pics. Des pic-pics, c'est un peu arrondi, hein, c'est plus souffleur. Un peu des sucettes. Des sucettes champignons. Bon, les petits copains et copines, je vous fais rapidement une petite récap. Dites-nous celui que vous avez préféré, qu'est-ce qui vient de se passer? Alors, Oli le met dans sa bouche pour faire la bécassoun, mais et en même temps, elle tousse, donc... Il est expulsé. Alors les petits copains, les petites copines, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Jamais on ne met un petit objet dans sa bouche, surtout si on a moins de 3 ans, car ces objets, je viens de regarder là, voilà, ici. C'est à partir de 5 ans. C'est à partir de 5 ans, tu te 5 ans et plus. Non, 3 ans, j'ai vu moi. 5 ans et plus. Bah, regarde là, je vois 0-3 ans. Donc après 3 ans. Interdit, mais c'est conseillé quand même pour les enfants à partir de 5 ans. Ok, j'ai rien dit. Ok, j'ai rien dit. Bon, alors Ellie, elle va se faire gronder parce qu'elle a pas le droit de mettre les petites choses dans sa bouche. Les petites coquines. Bon, ça va. Les petites coquines. Parce qu'elle fait la bécasse, hein. Ouais, c'est vrai, c'est pour rigoler. On va se laisser sur cette vidéo. On vous fait de gros bisous, likez, partagez, commentez. Et puis, toi, tu veux tout ranger. Bon, allez, on range tout, voilà. C'est bien, c'est bien. Pour une fois qu'elle le fait. Voilà. Et dites-nous lequel vous avez préféré. Oui, dites-nous lequel vous avez préféré. Alors, c'est disponible bientôt dans les magasins, les BotBots. BotBots. Ok. Alors, on se laisse sur le logo, papounet. Allez, on se laisse sur le logo, sur quoi? Sur un BotBot. Ton préféré? Ou mon préféré? Ou mon préféré? La allez, pancarte, on se laisse sur la Thank you.